Marc Libra nous fait comprendre qu'il est très inquiet, que ce PSG-là ne le rassure pas. Cela, toi, et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va rebondir sur le propos de Marc Libra. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo ici, nous, on parle de foot ici. Nous, on est passionnés par le foot. Donc, si tu es intéressé par la thématique, si la thématique te parle, n'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Si c'est pour ne partir. Alors, Marc Libra, je rappelle que Marc Libra, c'est un ancien Marseillais. Il a joué à Marseille et il nous dit que ce PSG, ça ne le convainc pas. C'est Marseille qui parle, hein? C'est Marseille qui parle. Et sur le fond, il n'a pas totalement tort, mais sauf que les deux derniers matchs, moi je trouve un PSG qui monte en puissance parce que face à Dortmund, ça n'a pas pris de but. Face à Marseille, ça n'a pas pris de but. Oui, Marseille n'a pas été à la hauteur, mais est-ce que ce n'est pas le PSG qui était trop fort? Parce que face à Dortmund, ce fut le cas. Ce fut le cas face à Dortmund. Moi, je trouve que Marc Libra, il est un peu dur avec le PSG. Je trouve que le PSG montre de très belles choses. Maintenant, attendons de voir la Ligue des Champions parce que le baromètre pour le PSG, c'est la LDC. Le baromètre, c'est la LDC. Donc, s'ils gagnent la Ligue des Champions ou bien s'ils font un dernier carré, franchement, ça sera une top performance déjà pour le PSG. Après, partage-moi ton ressenti en commentaire sur la thématique. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Sinon, on se dit à très bientôt pour notre vidéo, les amis. Ciao, ciao.